Alors, normalement, le problème devrait être réglé. Alors, dites-moi si cette fois vous entendez quelque chose ou non, mais normalement vous devriez l'entendre. Hein. Moi, je l'ai dans le casque, donc si je l'ai dans le casque, la musique. Enfin, je l'ai dans le casque en décalage, donc normalement vous devriez l'entendre. Dites-moi si c'est bon cette fois, si vous entendez bien, si c'est pas trop fort, si c'est. Enfin, si c'est bon, quoi. Tu peux baisser la qualité. Oui, non, ça c'est bon. Oui, c'est quoi votre nom de... Bon, c'est bon pour tout le monde. Le son, il est bon aussi, par rapport, enfin, ma voix par rapport à truc, merde, j'arrive plus à parler. Au jeu. Tiens, c'est la première fois qu'on est aussi nombreux. Pendant les vacances d'été, on était même pas, on était une vingtaine. Là, on est une trente, on est 35. C'est plutôt pas mal. Bon, sur YouTube, c'est bon. Sur Twitch, c'est bon ou pas? J'arrive pas à voir le live. Si t'arrives pas à voir le live, Damien, t'as deux possibilités. Soit tu baisses la qualité, soit tu essayes d'aller sur YouTube, voir lequel des deux marche le mieux. Sinon, j'y peux rien, c'est que c'est taco, hein. Si ça marche pour tout le monde, sauf pour toi, c'est que ça vient de taco. Là, je peux rien y faire. Alors, je suis désolé si je parle pendant qu'il y a Darly Beloved. Vous inquiétez pas, on aura l'occasion de la réécouter dans le menu de Kingdom Hearts. Hein. Trop bien la musique, c'est mieux que Bernard Minet. Ouais, on change un peu de registre là. Déco, Vulcan, tu as un problème. Je ne suis point déco. Bon, tout est bon. Très bien. Bon, eh ben écoutez, on a pris un petit 5 minutes de retard, c'est pas bien méchant. Donc, on va commencer tout de suite par le traditionnel silence qui vient avec l'arrivée de Dearly Beloved. Je vois qu'apparemment sur YouTube vous êtes chaud, ça fait toujours plaisir d'entendre cette musique. Alors, il va y avoir quelques règles pendant ce let's play, en particulier au niveau de la difficulté. Contrairement au 1, la version Kingdom Hearts 2 a très peu de boss annexes. Là, vous voyez qu'on fait la version Final Mix, donc déjà première question, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont joué qu'à Kingdom Hearts 2 qui n'ont jamais fait la version Final Mix du 2? Donc dites-moi, enfin, dites, est-ce que vous l'avez faite ou non? Voilà, tout simplement. Bon d'accord, donc en gros il y en a qui l'ont faite, il y en a qui l'ont pas faite. Alors vous a... pour ceux qui l'ont pas faite, je vais pas spoil, mais vous allez voir que pour... si vous avez pas vu mon live sur la version Final Mix du 1, grosso modo dans le 1 il n'y avait pas tant de rajouts que ça par rapport à la version normale. Mais dans le 2, la version Final Mix a beaucoup beaucoup de trucs en plus par rapport à la version normale.
Et vous allez voir ça. En particulier, il y a pas mal de boss annexes. Et le truc, c'est que j'ai pas toutes les vacances de Noël pour faire ce live. Donc ce que je vais faire, c'est que l'histoire, je vais la faire en normal jusqu'à un certain point. Mais j'ai des sauvegardes de ma partie perso à des endroits stratégiques qui, elle, est faite en niveau de difficulté difficile. Et en particulier, vous voyez que j'ai déjà une partie difficile niveau 99. Donc pour tout ce qui est boss annexe et combat final, on utilisera cette partie en niveau difficile 99 avec Ultima qui est déjà prise, etc. etc. Ça nous fera gagner du temps. Mais pour l'avancer, pour pas qu'on perde trop de temps sur certains boss, et en particulier au début du jeu, je vais faire le jeu en normal. Voilà. S'il y en a qui peuvent pas rester jusqu'à la fin, pas d'inquiétude, comme à chaque fois, il y aura une rediff à un moment donné. Donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Et les lives, la durée du live, honnêtement, j'en sais rien. J'arrêterai quand je commencerai à être fatigué. Mais je vais faire, en général, en moyenne, ça dure au minimum, ça dure 3 heures. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit à ce niveau-là pour le déroulement du truc. Alors encore une fois, comme pour ceux qui étaient là pour le live du 1, vous le savez, mais pour ceux qui étaient pas là, je vous le dis, il y a des gens, ils ne verront ce let's play qu'en rediffusion. Donc pour ceux qui sont dans la rediff, je vous demanderai, enfin pour ceux qui sont dans le live, je vous demanderai dans le chat d'essayer de ne pas trop spoil les événements qui vont se passer dans le 2, simplement pour éviter de spoil ceux qui ne regarderont que la rediff et qui peut-être n'ont jamais joué au 2. Ça peut arriver, on sait jamais. Voilà. Allez, c'est parti. On commence comme je vous l'ai dit en normal. Il y a la cinématique, donc je vous laisse profiter de ça et on se retrouve juste après. D'ailleurs, on aura pas mal l'occasion de discuter parce que vous savez très bien que le début, il est... Enfin, moi, j'aime pas du tout le début de Kingdom Hearts 2. Je trouve ça long et chiant. Donc voilà, on aura l'occasion de discuter. Activez la fonction vibration. Oui, niveau normal, c'est parti. Allez. Scattered dream that's like a far-off memory. A far-off memory that's like a scattered dream. I want to line the pieces up. Yours and mine. Thank you.
Quand même reconnaître une chose dans cette licence, les introductions ça claque, ça met dans l'ambiance. You have arrived. I've been to see him. He looks a lot like you. I'm what's left. Or maybe I'm all there ever was. My name is of no importance. What about you? Do you remember your true name? Sora? Give me a break, I'm... Giving up already? If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? This world has been connected. What? Who's there? Tied to the darkness. Sora, don't ever change. The door has opened. What? You understand nothing. Sora... Alors même si j'aime bien le personnage, ça, cette partie-là, je vous avoue que c'est une des parties les plus pénibles du jeu pour moi. J'ai déjà répondu à la question, je vais monter jusqu'au niveau 99. Mais pas forcément en live, j'ai déjà une sauvegarde au niveau 99 pour gagner du temps. Alors je sens que là où on va rigoler, c'est quand on va arriver au monde de la petite sirène quand même. Parce que... Déjà en VF c'était drôle, mais alors là en anglais... Celui qui ne sait rien ne peut rien comprendre. Salut Omicron! Omicron, j'ai une question pour toi, parce que je l'ai posé, t'étais pas encore là. Tu as déjà joué à la version Final Mix du 2 ou t'as juste refait le 2 récemment?
Man, doesn't that tick you off? Yeah, that's just wrong. The Cypher's gone too far this time. I mean, it's true that stuff's been stolen around town, and we've got a score to settle with Cypher and everything. So, if he wants to think we did it, I can't really blame him. See, that's not what really bugs me. What really bugs me is that he's going around telling everybody we're the thieves. Now the whole town and their mothers are treating us like the Klepto Club. Have you ever been this ticked off before in your life? Because I haven't. Nuh-uh. Never. Now, what to do? Allez, bonne nuit à ceux qui s'en vont et bon courage pour ceux qui bossent demain. We could find the real thieves. That would set the record straight. Bon, honnêtement, je vous le dis, hein, cette partie dans la cité du crépuscule, ça va être surtout une occasion pour moi de discuter avec vous, parce que moi, je la trouve pas du tout intéressante, cette partie. Même si scénaristiquement, elle prend du sens plus tard dans le jeu, là, pour l'instant, voilà. Mais, You can't say... why not? But you do understand what I'm saying, right? Our... are gone. Stolen. And not just the... the word. They stole it, too. What kind of thief is that? Cypher could never have pulled that off. Yeah. All right. Time for some recon. Huh? His heart is returning. Doubtless he'll awaken very soon. Huh? Roxas, come on! Alors, ce qui est vraiment dommage, c'est que là, moi, sur mon écran, je suis en 1080p, 60fps. Vous, malheureusement, je suis obligé de vous streamer en 720p, en 30fps, parce que si je fais plus, je pense que je perds la moitié d'entre, la moitié, voire les trois quarts d'entre vous. Allez, par ici. Oui, 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 oui. Alors, je le dis maintenant, là, je ferai, mais je l'ai déjà dit, je ferai un live tous les soirs à 21h. À partir d'aujourd'hui, donc demain, lundi, mardi, mercredi, etc, etc, hein. Oui, oui, bon, je sais comment on joue, allez, allez. Si on pouvait passer la scène du tuto, là, ce serait bien. En sautant, tu peux t'agripper à certains rebords et hisser, et te hisser pour atteindre les endroits autrement inaccessibles. Doudoudoudou. C'est tellement mieux les lives que de réviser le devoir commun de SVT. Genre, tu es en train de réviser le devoir commun de SVT. Si ça peut te... Non, 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 je vais rien dire, je vais rien dire. Ici, on n'est pas au collège, on dit rien. Allez, salut Roxas. Je ne vous aurais jamais cru capable d'une chose pareille. Mais on n'a rien volé du tout. J'aimerais pouvoir te croire, mais... qui d'autre aurait pu voler ça? Voler qui? Voler quoi? Comme si vous ne le saviez pas. Allez donc à la joaillerie, la vendeuse vous expliquera. Non, non, mais samedi soir, je vous explique, quand je dis que le live, il doit être quand même efficace, grand maximum, vendredi soir, il faut que on ait fini le jeu, hein, je vous le dis. C'est pour ça que je me permets de faire un live tous les soirs, hein, parce que, et en plus en difficulté normale, parce que après, samedi, le week-end prochain, j'arrête, stop les lives, hein, c'est les vacances de Noël, enfin c'est Noël, etc., donc ce sera jusqu'à vendredi. Alors, les commandes de réaction te permettent de réaliser différentes actions en fonction des circonstances, blablabla, bla, bla. Allez, on va parler à la vente. Bienvenue. Les commandes de réaction apparaissent en toute occasion et sont très utiles. Utilisez-les aussi souvent que possible. Non, la musique est pas déprimante à la cité du crépuscule, je dirais qu'elle est reposante. Moi j'aime bien la cité du crépuscule, mais elle est mal introduite là. Oh, c'est toi Roxas, tu m'as beaucoup déçu. Dire que tu étais l'un de mes clients préférés. Je ne suis pas un voleur.
bien sûr. Je déteste être accusé à tort. Alors, prouve que tu n'es pas coupable. Cette affaire étonne aussi la propriétaire de la confiserie. Comme par hasard. Roxas ? Tu n'aurais pas vu mon chat ? Je passe, hein, le tuto, c'est bon, on connaît, hein. Merci, Roxas. Est-ce que vous avez été cambriolé, vous aussi ? Hélas, oui, on m'a pris de précieux souvenirs. On vous assure qu'on y est pour rien. Je vous crois. Merci. Et qu'est-ce qui vous a été volé ? Des... auxquels je tenais beaucoup. On dirait que notre voleur ne dérobe que des... Oui, et le mot aussi. Pour faire ça, il doit être plutôt doué. Peut-être que Cypher sait quelque chose. Allons lui demander, il est à la place des fêtes. Alors pour ceux qui râlent pour le mode normal, j'ai expliqué au début du live pourquoi et jusqu'à quand je resterai en normal. Voilà, je vais pas revenir dessus, hein, mais... Piti Bibi ! Thieves. That was low, you know? Oh yeah? Nice comeback there, Blondie. What'd you say? You can give us back the... now. Yeah, you're the only ones who would take it, you know? That was undeniable proof that we totally owned you, lamers. So what did you do? Burn it? Huh, not that we need some... to prove that you're losers. Replay. Now you're talking. I guess if you get on your knees and beg, maybe I'll let it slide. Roxas! Bon, je vais profiter de ça pour faire un petit rappel pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas ce qui se passe dans Chain of Memories. Grosso merdo, dans Chain of Memories, ça se passe juste à la fin de Kingdom Hearts 1, où il y a... pour la défense, j'en ai rien à foutre de la défense. Je veux de l'attaque, moi. Oui, donc ça se passe juste à la fin de Kingdom Hearts 1. Donald, Dingo et Sora partent à la recherche du roi Mickey. Ils trouvent plutôt, et ils continuent leur chemin. Ils finissent par tomber sur un manoir qui s'appelle le Manoir Oblivion. Si vous avez pas vu, éventuellement, je vous conseille de regarder mes vidéos sur 358 sur The Days. Ça explique en partie ce qui se passe là-bas. Grosso modo, ce manoir, c'était un piège tendu par l'organisation 13 pour tenter de capturer Sora. Bon, ils ont échoué, etc. Ils se sont rendu compte que certains de leurs membres étaient des traîtres. Et à la fin, Sora, plus il avançait dans le manoir, plus il perdait de ses souvenirs. Et au final, il a dû faire un choix qui lui a été proposé par Namine, une simili. Je vais pas en dire plus pour l'instant, une simili. Et ce choix, c'était soit de sortir du manoir en gardant tous les souvenirs qu'il avait eu dans le manoir, mais il aurait perdu à jamais tous les souvenirs qu'il avait oubliés, soit de retrouver tous les souvenirs de ses amis, etc. Mais dans ce cas-là, il devait tomber dans un profond sommeil, etc. Et voilà, ça s'arrête là, Chain of Memories. C'est pour ça, entre autres, qu'on reprend là avec Roxas et pas avec Sora. Grosso merdo, c'est ça. Mais si vous voulez comprendre un peu plus en détail, je le ferai probablement en live un jour, Chain of Memories. Et je vous recommande de voir au moins les vidéos sur 358 sur The Days qui se passent juste avant le 2. Wow.
was that? The thief? Allez, reviens ici, petit simili. Ah, attendez. Ah, je me passe. Parce que là, les commandes de la caméra me jettent. Il faut que j'inverse. J'avais eu ce problème-là aussi dans Kingdom Hearts 1. Il faut que j'inverse les commandes de la caméra. Bon, on va faire ça après, c'est pas grave. Voter tardigrade, je suis bien d'accord. Je peux pas ouvrir le menu pour l'instant. Alors, combat à l'ennemi inconnu, c'est parti. Ah bah oui, c'est vrai qu'on risque pas de faire grand chose. On risque pas de lui faire grand chose avec ça. Ça ne marche pas. It's no use. Donc si t'as co-freeze, tu peux baisser la qualité normalement, hein. Tu peux baisser la qualité du stream pour voir si c'est mieux. Allez, c'est parti. Allez, disparaît. Aïe. Ça m'énerve quand je peux pas faire des roulades. Je suis tout le temps en train d'appuyer sur carré pour faire des roulades alors que je peux pas faire de roulades. C'est ch... Bref, voilà. Approche-toi des orbes, blablabla. Oui, oui, on peut avoir des munis, on peut avoir de la santé et on pourra même avoir du mana plus tard. Salut Lotari. What's this? I was his first customer after he took over the shop. So we took a picture together. It's a really nice photo. Oh. Hey, you just said photo. So, Roxas, tell us about the picture thief. Not much to say. The pictures were just lying there. Then how do we prove we weren't the ones who took them? It's a girl. You look happy, Roxas. Do not. So, like, anybody else notice that all the stolen pictures are of Roxas? Oh. So that's why everyone thought it was us. And Cypher didn't go on accusing us after all. Are they really all of me? Yep. See? Look. Right? Every single one. Wouldn't it be weird if the thief wanted to steal the real Roxas or something? Come on, get serious. Why would anyone want to steal a bonehead like Roxas? Oh, thanks. Une VF pour Kingdom Hearts 3, ça m'étonnerait, mais bon.